Alors que le nombre des victimes de la répression auxquelles ils sont confrontés est chaque jour un peu plus important, la représentation nationale unanime, nous en avons discuté ce matin en conférence des présidents, souhaite rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui, depuis le 16 septembre, paient de leur vie leur combat pour la liberté. Madame la Première ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, je vous demande de bien vouloir respecter une minute de silence. Je vous remercie.